Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, je vous retrouve dans Railway Empire, le DLC de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Alors, j'ai terminé la livraison des 50 chargements d'acier, c'était relativement très facile. Je suis toujours donc sur cette partie d'acheter l'entreprise de Don Lorenzo, mais il se passe un truc. J'en suis à 97%, sauf que l'autre Gugus, il en a acheté 3. Ce qui veut dire que je vais être obligé de surpayer pour exécuter la fusion. Alors, je croise les doigts que ça descende un petit peu. Allez, on est parti. Je liquide tout, j'ai besoin de pognon, donc... C'est parti. Excellent. Ce sera un souci en moins pour vous. Récemment, le gouvernement à Londres a exprimé le désir de relier les centres industriels d'Écosse avec ceux de l'Angleterre. Voilà. À vrai dire, ils discutent de la possible nationalisation des voies ferrées. Oula. Afin d'éviter une telle interférence, vous devriez essayer d'établir une connexion avec le Nord immédiatement. Vous vous retrouverez dans un endroit magnifique. Avec les poissons. Donc, deux nouveaux objectifs. 90 passagers de Liverpool à Glasgow et 120 chargements de n'importe quelle marchandise à Edinburgh. Alors, Edinburgh est ici. J'ai jusqu'à quand ? À 46. Donc ça veut dire que je peux pas racheter l'autre. Parce que je me dis... oui, il faut 80 millions. Donc... Je vous signale que pour acheter l'autre Zuzus, là, Don Lorenzo, c'est ce que j'ai dépensé. Hein. Et je le récupère pas. Même en ayant tout revendu. Où est-ce que j'en suis? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite. Je vous l'ai expliqué. C'est ça qui est un gros problème dans ce jeu. Voilà. Je peux rien faire. Je suis bloqué tout simplement parce qu'on peut pas cumuler des lignes côte à côte. Non mais vous emmerdez grave là. Ils sont là alors d'une mauvaise foi. Oh, ils sont d'une énorme mauvaise foi tout simplement parce que eux ils viennent s'installer chez vous. Et ils vous disent coucou, c'est moi. Et vous, quand vous y allez, vous vous faites engueuler. Sérieux. Allez, on attaque. Donc l'objectif, on a 120 chargements de n'importe quelle marchandise à Edinburgh. Donc Edinburgh a besoin d'un peu de tout, dont attendez le coup. L'étendue des nombres compris entre 0 et 1. Cette entreprise a déjà une gare.
C'est vrai. Il y a déjà une gare. Oh. T'es venu m'emmerder, Coco. Maintenant, tu vas le payer cher. Ça va te coûter très cher. Alors ensuite on a Liverpool-Glasgow. Donc Liverpool est là et Glasgow est là-haut. Il va encore gueuler. Je vais essayer de le prendre celui-là. Je voulais simplement faire monter l'enchère. Et je m'en étais douté. Alors effectivement, avec ce système de d'aiguillage. Oh. On peut faire ça. Voilà. Bon. Mais. Oh non, mais vous m'emmerdez. Là, ça commence sérieusement à me gonfler. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais. Ils ont foutu en l'air beaucoup de choses, là. Et ça va pas du tout. Ça me fatigue. Ça m'énerve à un point là où je suis pas content du tout. Hein. Bon allez, ben on attaque les liaisons dangereuses. Désolé, c'était trop tentant. Alors, va falloir que je mette une gare ici aussi pour la viande.
mais j'en ai déjà un là. Ouais, bon, allez. Par contre, il en faut un ici. C'est quoi que je dois... 90 passagers, d'accord. Qui veut dire qu'il faut que je change... Voilà. C'est lui qui commence à me gonfler. Est-ce que j'ai avancé un peu? Oui. Bon, c'est pas mal. Oui, simplement là, le bétail ou la ferme à Edinburgh, ça suffit. Les intervalles entre les entretiens sont trop longs. Le carburant est de mauvaise qualité et le personnel est incompétent. L'installation d'une nouvelle gare semble raisonnable dans cette ville. Où est-ce qu'il est venu encore? Oh. Je comprends pas des fois. Hein. On dirait qu'il parle pour ne rien dire. Je sais pas où il est allé mettre sa gare. Il parle de gare, mais si vous la voyez, vous me dites, parce que celle-là, elle y était déjà. Ici, il en a pas mis. Ça, ça y était déjà. Le lait, il était déjà aussi. Bon, écoutez. Mais comment ça se fait? J'ai deux trains qui sont... Bon, on va pas chercher, hein. On va pas chercher parce que je vous l'ai déjà dit, j'y comprends rien. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont fabriqué au niveau de ces derniers DLC. Vous avez bien vu que j'ai eu deux trains qui sont arrivés à Glasgow. Et il me met que j'ai transporté 78 passagers. Tant mieux. On va voir s'il cumule pas celui-là peut-être. Combien il me reste de semaines? 7. Si c'est 7, 13. Donc il faut que je reste avec lui. Parce que je vais avoir un les remboursements. Chef d'œuvre d'ingénierie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais ça, c'est bien. Alors, étudions celui-là. Ça va un peu vite pour 45 km/h, je trouve. Alors, est-ce que c'est celui-là aussi qui comptabilisait pour la quête ou pas? Ça me surprendrait. Oui. Par contre, ils sont pas encore partis. Ouais, ils arrivent juste à Liverpool. Bon, je vais passer. Je vais terminer cette partie de la quête dans cette vidéo. Hein. Je vais pas en faire une nouvelle. Donc, je vais faire un saut. Oh, c'est pas vrai. Il tombe en panne juste avant d'arriver.
Il manque des ingénieurs. Investissez un peu dans la fiabilité de votre heure. Je fais que ça. Et donc, bien évidemment, comme j'avais lancé les deux trains l'un derrière l'autre, ben alors je l'ai planté, il attend. Voilà. On va terminer cette partie. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme locaux? C'est tout bonnement incroyable. Les voies ferrées ont réussi à conquérir le monde en seulement quelques années. Mais notre travail n'est pas encore bien évidemment. Terminé. Notre fortune est peut-être assurée, et nous l'avons bien méritée. Mais si nous parvenions à améliorer la qualité de vie dans les villes, alors nous rentrerions dans l'histoire. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Dernièrement, j'ai étudié les réseaux ferrés de nos compétiteurs, et je dois dire que vous je rigolez, suis très non impressionné. Une fusion avec vos concurrents pourrait être un excellent moyen d'agrandir votre réseau. Au secours. Reliez 15 villes ayant une population de 60 000. Donc j'en ai 12 déjà. Et 8 villes de 120 000. J'en ai 5. Et j'ai 9 ans pour éliminer tout le monde. Et c'est pas possible. Comment vous voulez que je fasse ça? Il vaut 105 millions maintenant? Merdoum. Merdoum aujourd'hui, merdoum. Alors là, je m'attendais pas à ça. Et vu que je viens de rembourser mes deux emprunts, là. Donc c'est pour ça que j'ai plus que 7 millions, puisque je viens de payer plus de 15. Mais je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. J'ai 160 millions à faire en 9 ans pour acheter les deux autres. Non mais... Waouh, ça va être très 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 difficile. Et on verra ça dans les prochaines vidéos de Railway Empire. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, bye bye.